Bonjour à tous les amis, donc ici c'est Praetorians Gaming et puis on est reparti pour du arc, donc l'épisode 5. Donc la dernière fois on a été faire les deux caves du sud, donc inférieure et supérieure, et aujourd'hui on est sur la cave du volcan. Donc je suis arrivé pile poil devant l'entrée, comme ça voilà, ça vous épargnez le trajet, j'ai tout préparé, et au lieu de parler comme ça tout le temps avant de lancer l'encodage, au moins je me suis préparé, et on est parti pour cette cave les amis. Donc ça risque d'être très difficile dans cette cave, je sais de quoi je parle, la dernière fois j'avais perdu mon Tilacoléo à l'intérieur dans la lave, donc j'espère que cette fois on est mieux préparé et qu'on va pas le perdre cette fois. Donc c'est parti, je vais laisser mon argent ici. Et puis j'ai posé déjà un lit ici. Comme ça, au cas où si je meurs, je peux toujours respawn ici. Et puis j'en mettrai un petit peu plus loin dans la cave. Donc c'est parti les amis, trêve de bavardage. Et puis let's go dans la cave où il fait le plus chaud. Ça va être vraiment tendu, mais pas le choix. On va voir ce qui nous attend à l'intérieur. Donc déjà ça commence bien, il y a des oniques ici. Le truc qu'on va faire, on va poser un lit tout de suite là. Comme ça, on peut respawn ici. Et puis let's go, on va sortir le Tilacoléo. On est parti. Donc je vais peut-être les attirer avec le pompe. Voilà. Ok. Donc cela c'est nettoyé. On continue. Alors il y a un Megalania, ça pourrait être bien de le tame. Donc il est quel level? 95, ouais, il est déjà bien amoché. On pourrait peut-être le tame. Alors je vais peut-être prendre le fusil comme ça, sinon on va le tuer. Donc il fait pas de dégâts. Avec du 7. Mais on va essayer de le tame, le Megalania. On essaiera de trouver un mâle également. Et puis après pour faire les boss, hein, on essaiera de se faire une reproduction de Megalania. Ah, il commence à fuir. Donc c'est ça qui est bien avec le Tilacoléo, hein, comme vous pouvez voir. On peut tirer dessus. Ça, c'est vraiment classe. Allez. Voilà, il dort. Super. Donc là, on est bon, les amis. Je vais lui donner un petit peu de viande. Alors par contre, ouais, j'ai que ça. J'ai pas de la prime, malheureusement. Ça, c'est pas super. J'ai pas de prime sur moi. Et la viande normale, il en faut combien? 11. Alors les amis, je vais aller chercher vite fait de la prime. Je reviens, parce que sinon ça va être trop long. Et on va prendre le Megalania quand même, avant de se barrer. Alors de la prime, est-ce que t'en as toi? Alors je vais en chercher, et puis je vous retrouve tout de suite les amis. Donc re les amis, donc j'ai trouvé de la prime, c'est bon. Donc on va lui donner, et puis on va récupérer les toxines nous par contre. Donc normalement au bout de 4 viandes, il devrait être tame. Donc c'est parti, on va essayer d'avancer un petit peu dans la grotte et puis on va revenir le rechercher plus tard. On sera obligé de passer par là de toute façon, donc c'est pas bien grave. Allez, c'est parti, on clean l'endroit. Et puis on essaye de se frayer un chemin là-dedans. Voilà, super. Donc on va lui redonner un petit peu de bouffe. Ça se passe pas trop mal. Donc faut qu'on récupère l'artefact et puis après on se barre. Hein. Voilà. Ça va être l'objectif de la mission. Donc le restant, on s'en fout. Je vais peut-être garder la chitine quand même. Et puis tout le reste. Hein. Je retourne voir le Megalania. Et il est à 59. Allez, grouille-toi. J'espère que sa torpeur va pas descendre maintenant. Ok, on progresse bien. Allez, on continue. Je
Ah, je vais aller voir si le Megalania est fini de tame. Ah, il faut encore qu'il mange une fois, et puis on est bon. Par contre, ça va être vraiment limite pour sa torpeur. Ça va jamais faire, ça, les amis. Mince. Bon, bah tant pis. Allez, on clean l'endroit. Ok, c'était tendu ça les amis. Bon, on va lui redonner à bouffer un petit peu. Ok, alors on va aller voir l'artefact là-bas. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Allez, on va voir l'artefact, les amis. Donc on va attirer. On va attirer les Onyx par là. Et puis on va les tuer. Voilà, super. Donc la vie descend quand même du Tilacoleo, c'est un truc de fou. Donc je régène sa vie et puis bah je vous retrouve tout de suite les amis. Ok, allez, c'est parti. On va aller chercher l'artefact les amis qui est là-bas. Normalement il n'y a plus rien. On est parti. Oula, c'est quoi? Ok, c'était tendu ça les amis. Waouh, on avait bien crevé là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bashi et arc légendaire. Bon, les loots, c'est vraiment de la merde. Donc ouais, on n'a pas été chanceux là-dessus. Ok, bon bah là, il n'y a rien de vraiment super. Bon bah c'est parti les amis, on y va. Ok, bon ça en est bien sorti là. Allez, on continue. Donc les amis, je vais sortir de la grotte, remettre un petit peu tout ça dans l'Argentavis, là, toute la chitine. Alors, chitine, hop, comme ça, tout le stack, on va mettre ça là-dedans. La viande pourrie, on s'en fout, ça. Voilà, super. Donc comme ça, tout est mis, et puis bah, on est reparti. Donc le Megalania, il faudrait qu'on essaye de le retame après, plus tard. Il va falloir vraiment beaucoup de narcoberry pour pouvoir le tame, hein, finir la... Le timing. Alors là, on arrive vraiment dans la partie du volcan que j'aime pas. C'est parti. Allez, let's go. Thank you.
On est vraiment tout proche de l'artefact. On le récupère et puis bah on se casse. Allez, on continue. Continue la cave. Là, j'aime pas. J'aime pas ce passage. Si on passe par là-bas, ça donne quoi? Alors, il y a du monde. Ouh là 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 là. Le monde qu'il y avait par là. Bon, on va lui redonner un petit peu de bouffe, hein, parce que là, on a perdu pas mal de points de vie. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas mal tendu quand même, cette cave. Et il faut vraiment être bien stuff, et surtout avoir un bon dino avec pas mal de points de vie, parce que vous voyez, on est vite à la moitié des points de vie. Pourtant, bon, quand même, 8700, c'est quand même pas rien. Ça descend très très vite. Allez, on va passer par là, les amis. Ça va bien se passer. Il y a pas mal de nicks là-bas. On va essayer de les attirer. Allez, c'est parti. Ça c'est vu. Alors on va recharger le pompe. Donc je vais me mettre un lit ici. On sait pas ce qui nous attend là-bas de l'autre côté et j'ai pas envie de crever. Donc j'espère que ça va le faire. Donc lui, on va jeter ça. Et je vais passer de l'autre côté, les amis, avec le grappin. J'espère que ça va aller. Hop. Ok, super. Parfait. On va récupérer le Tilacoléo. Et on va le remettre ici. Voilà, comme ça, on tombe pas dans la lave comme l'autre fois. Et puis, bah, normalement, on continue et l'artefact est juste là-bas, logiquement. Ouais, on le voit là-bas. Donc, c'est parfait. On va recharger. On a tué tout le monde là, donc la chaleur c'est pas trop un problème, ça va, pour l'instant en tout cas. Là il y a une note, je vais la récupérer. Voilà, on va se poser un lit ici, au cas où. Et puis bah, je vais peut-être aller comme ça, et sauter là-bas sur la plateforme. Donc j'espère ne pas tomber dans la lave, j'espère que ça va aller les amis. Ah c'est risqué, je vais peut-être y aller à pied, hein, tout compte fait les amis. Allez, c'est parti. Merde, il reste les corps des Zoniques là-bas. Ok, je les avais pas vus. Bon, bah, on va les attirer et puis... Ok, bon bah j'espère qu'on est bon. Hop, c'est parti. L'artefact est tout prêt. Je vais peut-être prendre le Tilacoléo pour sauter jusque là-bas, ça va être chaud. Ah, pas vraiment le choix. Allez, c'est parti, on saute. Ok, super. On prend l'artefact.
Ok. Bon, bah, on se barre, les amis. Bon, bah, il reste plus qu'à sortir de la grotte, les amis. Alors, je vais prendre le Tilacoléo. Alors, donc, on va ressortir par là. Passer sur le rocher, là. C'est parti. Donc là, ce que je vais faire, on va prendre le grappin. Ah, génial. Donc là, c'est bon, ça, les amis, c'est fait. Donc, bah, vraiment, la cave, là, elle s'est faite bien, hein. Donc, avec le grappin, c'est parfait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, en fait. Donc, bah, c'est génial. On n'a plus qu'à sortir de la grotte. Finir de tame le Megalania. Et ben, on sera bon. Donc, ça a déjà rip-hop. Ok. Donc le Megalania, il a despawn. Je le vois plus. Où c'est qu'il est le Megalania? Tout à l'heure, il était par là. Au moins qu'il s'est fait bouffer. Voilà, je le vois plus. Donc il y a un artefact là en haut. Le problème, c'est comment y aller. Ah, je peux pas. Il glisse le Tilacoléo. Ah merde! Comment on fait pour y aller? Il y a de la lave en bas, alors si je me fail, on perdra tout notre équipement. Donc non, c'est mort. J'ai pas envie de perdre quoi que ce soit. Bon bah tant pis les amis, bah on va rentrer à la maison. Et puis bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc bien pratique hein, quand même le Tilacoléo. Hein. Pour faire les caves, franchement, c'est ce qu'il faut, hein, clairement. Donc voilà, super, bah, notre oiseau est toujours ici. Donc on va mettre la chitine là-dedans. Voilà, génial. La peau également. Et puis l'artefact, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, bah pour cet épisode, on va s'arrêter là. Donc la cave de la lave a été faite avec succès. On n'a rien perdu. Je ne suis pas mort une seule fois, alors que l'autre fois, on était mort sans cesse. Donc avec un grappin réutilisable et puis le Tilacoléo. Franchement, ça passe sans problème. Donc bah, je vais rentrer à la base, moi. Je vous dis à bientôt. Pour le prochain épisode, donc l'épisode 6, et puis bah on verra ce qu'on va faire. J'aimerais bien aller tame du Rex hein, cette fois, donc peut-être on ira sur The Center ou Valguero, on verra bien. Les Rex Tech, hein, j'aimerais bien, surtout si je farm les boss en solo, il faudrait mieux des Rex Tech plutôt que des Rex standard. Donc ce sera la prochaine étape. Megatherium, il va m'en falloir également, donc on essaiera de faire du taming de Megatherium. Et puis bah, du Rex, hein, bien sûr. Trois caves quand même qu'on a fait ensemble. Et puis bah on continuera. Donc la prochaine cave, les amis, on ira plutôt à la cave du Nord. Donc cave Nord-Est, hein, l'île au Carnot. Donc tout à droite, hein, en haut. On se fera celle-là. Et puis après, on essaiera de faire les caves sous-marines. Mais pour ça, il va nous falloir soit des mégalodons, soit un basilosaure. J'aimerais bien un basilosaure. Vu que c'est insensible aux attaques électriques des méduses, ça serait vraiment super d'avoir ça. Donc on essaiera de se faire ça. Et puis après, bah, on fera la cave du marais, cave centrale, et on ira dans le biome neige. Il y a encore deux caves là-bas. Ce ne sera pas les plus faciles. Même celle du marais, elle est très très compliquée. Elle est empoisonnée. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'insectes. Donc plein de méganoras, des saloperies comme ça. Donc avec une grenouille, normalement on devrait s'en sortir, j'espère en tout cas. Mais il va falloir une selle mythique, hein. Ça c'est clair. On va pas y aller avec la selle standard, sinon la Belzébuffo va pas durer longtemps, ça c'est sûr. Donc j'ai trouvé ça aussi, les amis, je vous en ai pas parlé, mais j'ai trouvé un casque en métal épique. Donc pour l'instant, il est pas trop mal. On est à 282% au lieu de 100%.
Donc, il est un petit peu plus résistant. Vous voyez que là, on a tanké bien comme il faut les attaques, alors que là, on est pratiquement à un petit peu en dessous de la moitié, alors que le casque, hein, il est encore à plus de trois quarts, on va dire. Donc voilà, voilà la différence entre un épique et une armure standard. Donc il va falloir vraiment que je trouve des alphas, tout simplement, donc du Carnot, des Rex, ou voire du Raptor Alpha, pour pouvoir améliorer notre stuff et ainsi trouver la hache, hein, parce que là j'ai toujours la hache pour Rav, comme vous pouvez voir, toujours en commun, alors que la pioche, elle est déjà en légendaire. Mais voilà, j'aimerais bien un pompe aussi un petit peu plus fort parce que le pompe commun, c'est vraiment de la merde. Donc j'aimerais bien améliorer notre stuff. J'espère trouver ça sur les alphas très prochainement, les amis. Donc voilà, je vous dis à bientôt, les amis. C'était Praetorians Gaming. N'oubliez pas les likes et de vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vais rentrer à la base, déposer tout ça. Donc je vous dis à bientôt sur Ark pour un prochain épisode. Allez, bye bye, les amis. À bientôt.